ressort pas du tout mon palais. Là où la spécialité est l'archéologie. L'archéologie étudie les traces anciennes des hommes. Car oui, les hommes laissent des traces. Os, objets, outils, etc., etc. Moi, ma spécialité est les objets métalliques. Ces visiteurs se posent beaucoup de questions. Je vais les aider à y répondre. Ce vase a été découvert en 1953 à Vix par un agriculteur Maurice Masson et un archéologue René Geoffroy. Ce vase servait à mélanger le vin et l'eau et d'autres aromates. Vu qu'il est très gros, on pense que c'est peut-être un cadeau. Bastien Dubuis et d'autres archéologues vont refaire des fouilles à l'emplacement de la tombe. Notre but à nous, archéologues, sera de découvrir plus d'informations sur cette tombe. Et cette année, nous allons fouiller en dessous et autour de la tombe de Vix, ce qui n'a pas été fait en 1953. D'accord, on a tout compris, mais qu'est-ce qui motive sur le vase ? Bonjour, je m'appelle Dominique Garcia. Je suis archéologue et spécialiste de l'Antiquité. On voit sur ce cratère une suite de personnages qui avancent vers la droite. Soit à pied, ou montés sur des chars, tirés chacun par quatre chevaux. Les personnages marchands sont des obliques. Ceux sur les chars sont des origes. C'est comme cela qu'on appelle les soldats grecs. On voit aussi Méduse, un personnage de la mythologie grecque, dont la chevelure est faite de serpents. Dans le mythe, son regard pétrifié, quiconque le croise, Persée la décapite et offre sa tête à Athéna. Athéna est alors souvent représentée avec la tête de Méduse. La forme du vase et les personnages représentés prouvent que le vase a été construit par des Grecs. Les études montrent que le vase a été installés en Grande Grèce, c'est-à-dire en Italie du Sud. Mais comment est-il arrivé jusqu'ici? Cela reste un mystère. Et c'est quoi ce truc? Excusez-moi, madame. Ne vous excusez pas, cela ne me dérange pas. Je suis Patricia Jeanneux, la responsable pédagogique du musée. Alors, ma petite, cet objet est une onokoé. Elle permettait de servir le vin que l'on puisait dans les cratères, comme le vase de Vix. Mais comment faire pour servir le vin qui est au fond du cratère? Il faut plonger dedans? Peut-être se servait-il d'une grande louche en bois. Mais tu sais, les archéologues de 1953 n'ont pas prêté attention aux traces laissées par du bois à cette époque. Cela reste donc un des nombreux mystères encore bien gardés de ce trésor. Peut-être que les nouvelles fouilles ont apporté des réponses.
En attendant, vous pouvez continuer votre route par ici. Il y a des dessins de la tombe et une proposition du visage de la dame de Nix. Merci. Merci. Je m'appelle Jean-Pierre Garcia, je suis géologue à l'Université de Bourgogne. Mon métier consiste à étudier le sol et les sites archéologiques. Ce que vous observez ici est une possibilité. En effet, avec le temps, la tombe de la Dame de Nix s'est écroulée et le cours de la Seine a changé. Relever des emplacements des objets ont été difficiles. Dans la tombe, il y avait le vase de Nix, le corps de la princesse, de la vaisselle, des bijoux et tout ce que l'on peut voir au musée. Mais on ne sait pas encore comment a réellement été constituée la tombe. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est un charbon monté, ma petite. Fabienne Médard et moi, Clotilde Proust, nous sommes archéologues et chercheuses. Notre travail est sur la recherche des traces de textiles laissées sur les objets. On ne savait pas faire ça au moment de la découverte. Aujourd'hui, on sait que certaines parties du char, et particulièrement les roues, étaient entourées de bandelettes. Nous allons tenter de savoir pourquoi grâce aux nouvelles recherches. Est-ce que tu sais à quoi servait le torque? Oui, je crois que c'était un bijou. C'est un sacré bijou, mais qui était la dame de Nix? Et comment est-elle morte? Tu le sais, toi? Je pense que c'était une princesse, mais j'en suis pas sûre. Il faudrait demander l'avis d'un anthropologue. Bonjour, je suis Jérémy Maestrachi. Je suis un anthropologue à l'INRA. J'étudie les ossements humains. On ne sait que très peu de choses sur la dame de Nix. Elle était une femme importante et très riche. On le sait, car on a retrouvé beaucoup de richesses dans sa tombe. Grâce à son squelette, on sait que cette femme avait beaucoup de problèmes. La mâchoire déformée, des problèmes de hanches, des vertèbres déplacées. En 1953, on a découvert le torque autour du crâne de la dame de Nix. On pensait donc qu'il se portait autour de la tête. Aujourd'hui, grâce au travail de nombreux spécialistes, nous avons rétabli la vérité, mais de nombreux mystères sont encore présents. J'espère que les nouvelles fouilles et les nouvelles études ADN de la dame vont apporter d'autres informations. Il semblerait que les hommes de ce temps se posent beaucoup de questions sur ma tombe et sur moi. Peut-être que les nouvelles recherches vont donner des réponses à nos questions. Moi, en attendant, je vais essayer de regagner ma tranquillité. Je vous laisse avec ces mystères.